le seul dans le bus. Bus privé. Okay, ouais. Toi, t'as jamais fait ça. Hein. C'était celui-là, mon bus privé. Donc maintenant, la mission, c'est d'aller prendre le ferry pour aller sur l'île de Pas-encore. Il y a des ferries jusqu'à 8h du soir, donc on est large. Il est 3h, 4h. Je sais pas. Allez, c'est parti. Alors ce matin, le programme va être simple, nous allons visiter un temple hindou, une mosquée. Je vais vous faire quelques plans du village de l'île de Pas-encore et cet après-midi ce sera détente à la plage. Voilà le programme d'aujourd'hui.
Up on Melancholy Hill, there's a plastic tree. Are you here with me? Just looking out on the day of another dream. Well, you can't get what you want, but you can get me. So let's set out to see love. You are my medicine when you're close to me. When you're close to me. De l'île, il n'y en a qu'une. Donc l'île, elle fait 2 km de large sur 8 km de long. Donc tu peux prendre soit un scooter, tu peux louer un scooter, ou soit tu prends des petits taxis qui t'amènent où tu veux sur l'île. Bon, j'ai décidé de faire une petite partie à pied et je pense que je vais prendre un scooter cet après-midi pour aller à la plage. Cet après-midi, c'est le programme. Détente à la plage. Alors moi j'aime bien manger dans ce genre de restaurant, les restaurants où il n'y a que des locaux. Les grands restaurants ça m'intéresse pas quand je suis en voyage. Tu vois, avec ce genre de décor, ce bruit ambiant. En plus c'est pas cher. Alors, je vous propose le Shring Bam Bao, c'est un plat chinois. Ce sont des crevettes panées, c'est pimenté. J'ai goûté un petit peu avant de filmer. Il y a des légumes, une assiette de riz, toujours. Et ça me coûte à peu près 2,30€ avec la boisson qui est arrivée. Voilà, c'est l'île de Pancor. Mon hôtel, il est là. Je suis Pancor. Et j'ai pris un scooter. Loué un scooter et on est là, sur l'île, où il y a l'étoile. Atelouk Nipa. Voilà, ça c'est l'île de Pancor. Alors, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai loué un scooter pour me rendre à Taluk Beach. Ça m'a coûté environ à peu près 3€ la location du scooter. Et me voici à Taluk Beach, sous un ciel bleu magnifique. L'eau est turquoise, le sable est blanc. C'est vraiment très très beau. Je suis un peu isolé au bord de la plage, vers les rochers. Et je vais en profiter toute l'après-midi pour me baigner. Car je ne sais pas dans le pays numéro 3 ou dans le pays numéro 4 si je vais aller en bord de mer. Donc je profite de mes derniers instants en bord de mer pour me baigner. Je vous dis
une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend quand tu regardes la vidéo. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Thank you.